L'orchestre et le chœur Balthasar Neumann sont de retour au Festival d'Aix avec un chef-d'œuvre romantique, la Missa Solemni de Beethoven. Il était super fier de cette œuvre qu'il considérait comme la plus grande qu'il ait jamais composée. Tout a commencé en 1818 quand on lui a demandé de composer un oratorio pour une cérémonie spéciale à Vienne. Beethoven a alors décidé de créer une grande messe pour l'intronisation de l'archiduc Rodolphe comme archevêque en 1820. La Missa Solemni est une partition sacrée vraiment spéciale. Beethoven voulait dépasser les limites de la liturgie habituelle et donner une dimension spirituelle universelle à sa musique. Il voulait toucher l'âme humaine et exprimer la force de la spiritualité. Ça changeait des musiques sacrées traditionnelles de l'époque. Pour composer cette messe, Beethoven s'est inspiré de nombreux grands compositeurs anciens comme Palestrina, Bach, Handel et Mozart. Il a mélangé différents styles musicaux, des éléments catholiques et protestants, et des genres sacrés et profanes. Le résultat est une combinaison unique de musique, avec des passages expressifs et dramatiques, des motifs militaires et des moments plus doux et intimes. Le Kyrie, par exemple, commence avec une prière lumineuse en ré majeur, invitant à la méditation. Puis le Gloria éclate avec des sonorités triomphales et puissantes. Le Credo met en valeur les parties solistes sans aucune hésitation, exprimant une grande variété d'émotions, de la douleur à la joie extatique. Le Sanctus et le Benedictus, quant à eux, mettent en avant les parties instrumentales, notamment le violon solo, pour symboliser l'élévation de l'âme. Enfin, l'Agnus Dei apaise l'assemblée avec une prière pour la paix, offrant un moment de sérénité. La Missa Solemni est une œuvre captivante qui marie la grandeur de la musique classique avec des éléments novateurs. Beethoven a vraiment repoussé les frontières de la musique sacrée de son temps. Si vous avez l'occasion d'écouter cette messe, ne la manquez pas, car elle est véritablement unique en son genre.
Marie.